Je vais donner maintenant la parole au Père Pérouse, qui va nous parler des ex-voto de la chapelle des marins et qui nous fera profiter finalement de son très grand talent dans tout ce domaine, puisque je me permets de rappeler que Bernard Pérouse a soutenu une thèse absolument magnifique sur la contre-réforme catholique dans le diocèse de Bordeaux, qui est une thèse qui faisait date, et j'ai eu le plaisir d'être au jury. Alors, chers amis, après avoir entendu le magnifique exposé de M. Chaline à l'instant, je dirais que ça nous rend modestes pour la chapelle d'Arcachon. Parce que nous nous trouvons en Normandie devant d'abord une vie maritime extrêmement considérable, un nombre de ports très important. Vous avez regardé les cartes comme moi. Et puis, donc, une dévotion mariale des marins qui s'exprime, vous l'avez vu, dans quelque chose comme 60 ou plus lieux. Ici, à Arcachon, c'est plus limité. Nous avons la chapelle des marins, dont nous allons parler maintenant, mais qui est très émouvante. Et puis, nous avons autour du bassin des marques, en effet, de dévotion des marins, qui se traduisent, par exemple, par un très beau vaisseau dans la chapelle de la Teste, ici à côté, et un autre ex-voto dans la chapelle de Gujan. Il faudrait faire, en fait, une exploration détaillée des églises du bassin, comme vous l'avez fait vous-même pour la Normandie, pour retrouver des traces plus nombreuses de la dévotion des marins à la Vierge. Je pense que ce n'est pas du tout difficile à faire. Quoi qu'il en soit, je vais me concentrer aujourd'hui donc sur la chapelle des marins d'Arcachon, en rappelant d'abord que l'histoire littéraire de Bordeaux est liée à un ex-voto. C'est l'ex-voto que Michel de Montaigne a déposé dans la chapelle de Lorette, en Italie, et qui le représente avec sa femme et sa dernière fille survivante. C'est un détail qui n'est pas très connu, mais c'est déjà, ça montre quand même un petit peu l'importance déjà des ex-voto dans la pensée religieuse bordelaise, et ça n'a pas été tellement suivi par la suite. Alors, à Arcachon, donc, dans la chapelle des marins, nous avons un ensemble d'ex-voto assez complexe. Et je vais démarrer en 1923. Pourquoi en 1923 ? Parce que nous avons un inventaire des ex-voto datant de 1923, sous la forme d'un petit travail qui a été fait par Repsomène, qui est un bon historien, André Repsomène, qui est mort en 1963, et qui a fait un recensement, certes incomplet, mais très intéressant, des ex-voto de la chapelle des marins. Donc les ex-voto, vous l'avez compris, c'est un remerciement, c'est une action de grâce, c'est une intercession, c'est un acte de prière pour les défunts, quelquefois. Et voilà, après, il faut être sûr que les objets qu'on trouve dans une chapelle sont des ex-voto. Par exemple, à la basilique d'Arcachon, nous avons des grands tableaux qui ont été offerts par les frères Pereire, mais là, ce ne sont pas des ex-voto. Vous voyez, ce sont des éléments de décoration religieuse de la chapelle, qui ont leur histoire d'ailleurs, mais ce n'est pas des ex-voto. Un ex-voto est lié à un vœu précis, lié lui-même à une situation dont on souhaite sortir, voyez, et qu'on confie à Dieu. Donc en 1923, il y avait 10 ex-voto dans la chapelle des marins sous forme de tableaux. Alors, je ne vais pas vous les détailler, vous retrouverez tout ça dans les communications écrites. Il y avait donc 10 ex-voto datant de 1770 au milieu du 19e siècle. Et il y avait 3 maquettes qui étaient suspendues au plafond de la chapelle. La frégate Arcachon de 20 canons, un petit bateau de promenade et une goélette de 14 canons. Et puis il y avait d'autres ex-voto marins, le tonnelet du matelot Osmer à la Borde, dont nous allons reparler, des broderies, des bouées de sauvetage, et il y avait aussi des ex-voto militaires. Alors les ex-voto militaires, on en a gardé un certain nombre à Verdelais, qui est un peu le parallèle d'Arcachon au niveau des ex-voto dans le département. Et on en trouvait beaucoup dans les sanctuaires des ex-voto militaires. Malheureusement, c'est une espèce qui a beaucoup souffert des vols, parce que les médailles sont très appréciées par des collectionneurs, et donc elles sont pas difficiles à voler. Et donc, en fait, on a perdu beaucoup d'ex-voto dans tous les sanctuaires français sous la forme des ex-voto militaires. Il y avait aussi des croix de guerre, des plumets de chapeau de Saint-Cyrien, etc., et des plaques ex-voto. Les plaques de marbre ex-voto, Repsomène en mentionnait seulement 25, mais il y en avait davantage. Puis, il mentionnait aussi des cœurs et différentes autres formes d'ex-voto,
comme des paires de béquilles, des œufs d'autruche, hein, des tapisseries, etc. Alors, ça en 1923, d'accord, 10 tableaux, 3 maquettes. Alors maintenant, quelle est la situation aujourd'hui des ex-voto de la chapelle des marins? Alors il faut commencer par les disparitions, parce que nous allons être obligés de parler des disparitions. Dans la chapelle des marins, sur les 10 tableaux, nous sommes passés à 5. Encore l'un d'eux est un tableau récent, qui date de 1990. Il reste donc 4 des tableaux de 1923. Alors, ont-ils été détruits par l'incendie de 86? C'est possible. Ont-ils été volés? C'est possible. Ont-ils été vendus? Ça n'est pas impossible. Les ex-votos militaires ont entièrement disparu. Mais je vous ai dit déjà que c'était une catégorie d'ex-votos vulnérables. Ce qui est triste, parce que les ex-votos militaires sont remplis d'humanité. Ça, quand un militaire rentrant de campagne et ayant survécu offre ses décorations, ça dit énormément de choses. Sur les 3 maquettes suspendues au plafond, on en retrouve une seule, mais nous allons en présenter des nouvelles. Les tapisseries, les béquilles, les œufs d'autruche, les couronnes de fleurs d'oranger ont disparu. Il y avait aussi des morceaux de mâture et de cordage qui ont disparu également. Une part des disparitions, je le disais, est probablement attribuée à l'incendie criminel de 1986, qui a détruit, vous l'avez vu ce matin, une partie du plafond. Et il y a eu, sans aucun doute, des vols et peut-être des destructions volontaires ou des aliénations. Ce n'est pas impossible. Dans les périodes difficiles qu'a traversé l'Église catholique, il y a eu un mépris, il faut le dire de façon très crue, de la dévotion populaire et de la spiritualité populaire qui aboutit à beaucoup de disparitions extrêmement dommageables et attristantes. Alors maintenant, je vais me concentrer sur les tableaux existants. On les montrera tous après. Le premier tableau représente le Petit Louis, une goélette de 16 tonneaux. L'ex-voto est daté de 1788. Et je vais vous lire le récit du drame. En 1788, au commencement du printemps, Baleste Marichon faisait voile vers Bayonne. Tout à coup, une noire tempête, ça vient de Repsomène, enveloppe le ciel et irrite les ondes de la mer. Les vents déchaînés mugissent dans les voiles, les flots menaçants battent les flancs du navire qui gémit sous leur coup. Tantôt il est porté sur le dos des vagues, à la hauteur des montagnes, tantôt la mer semble se dérober sous lui et le précipiter dans l'abîme. Le pilote comprend qu'il fait des efforts inutiles pour empêcher l'esquive de faire côte. Pour comble de malheur, un coup de vent brise le mât, déchire les voiles et le navire flotte à l'abandon, ballotté dans tous les sens, envahi par les eaux qui vont le faire sombrer. Tout l'équipage pousse un cri de détresse, Notre-Dame d'Arcachon, sauvez-nous. Sans vous, nous périssons. Le lendemain, la foule des curieux se pressait sur le port de Bayonne et se demandait comment ce navire avait pu tenir la mer et se sauver. À son retour à la teste, l'équipage vint accomplir son vœu, les matelots étaient nu-pieds, le patron qui les précédait tenait dans ses mains un ex-voto qu'il suspendait dans la chapelle après la messe d'action de grâce. Bon. Les autres tableaux représentent le Jean-François, une goélette. Le tableau doit être des années 70. Un autre tableau, c'est la Sophie. Et l'ex-voto est daté du 27 mars 1770. C'est une peinture à l'huile qui représente un navire avec les voiles carguées. La Vierge apparaît également là. Alors, il y a un détail intéressant, c'est que la Sophie a failli sombrer 2 fois. Et en fait, il a changé de nom, il a été renommé le Bien-Aimé, et il a failli sombrer de nouveau en 1789. Voilà, il y a également un ex-voto anonyme. Est-ce qu'on peut montrer les bateaux, s'il vous plaît? Alors, voilà, donc, on a déjà montré les bateaux, je ne vais pas m'attarder. Suivant, voilà, donc ça c'est le premier, voilà, et celui-là, le tableau n'est pas très clair. Suivant, voilà, également. Voilà, celui-là est plus récent. Un capitaine au long cours qui regardait les tableaux dans la chapelle des marins m'a fait remarquer que les vagues étaient des vagues, alors je mets des guillemets, réalistes. C'est-à-dire que moi je ne connais pas, je ne suis pas marin, je ne connais pas les vagues. Hein. Et il m'a dit, mais dans les tempêtes, en réalité, il y a des types de vagues. Dans certaines sont plus dangereuses que d'autres. Et les vagues qui ont été représentées, là, sont des vagues qui correspondent en effet à des types de vagues, ce qui prouve que les marins ont en quelque sorte dirigé l'exécution du tableau. C'est devant ce type de vagues-là qu'ils ont failli sombrer.
Donc, les tableaux. Ensuite, après, nous avons un ex voto, donc nous avons perdu l'essentiel des tableaux. C'est ça que ça veut dire. Nous en avons gardé, mais nous avons perdu l'essentiel des tableaux. Alors, ensuite, après, nous avons des maquettes. Alors, deux maquettes qui étaient suspendues au plafond ont disparu, mais l'une des maquettes a survécu. Il s'agit d'une frégate du XVIIe siècle de 14 canons. C'est probablement l'ex-voto le plus ancien. Et elle a été bénévolement restaurée en 2022 par M. Jean Olony et Philippe Macabio, que je remercie ici, publiquement, d'avoir fait bénévolement cet effort de restauration des tableaux, des maquettes plutôt. Il reste encore un bateau à restaurer, vous voyez, qu'ils vont nous faire gentiment. C'est très précieux pour nous parce que c'était les maquettes n'étaient pas en bon état et elles auraient disparu si on ne s'en était pas occupé. Alors, une autre maquette représente un vaisseau de deuxième rang du XVIIe siècle, de 66 canons avec deux pièces de retraite. Il a également été restauré. Et nous avons aussi deux contre-torpilleurs de la Seconde Guerre mondiale. Alors, celui-ci, c'est le Jaguar. Le bateau a été offert probablement par l'équipage. Le Jaguar est un contre-torpilleur qui avait été construit de 1922 à 1926 et il a participé à l'évacuation de Dunkerque en 1940. Et au moment de l'évacuation de Dunkerque, il était torpillé. Mais le capitaine du bateau a réussi à le jeter à la côte. Ce qui fait que, sauf les morts dues à l'impact de la torpille, le reste de l'équipage a survécu. Donc là, nous avons, vous voyez, un ex-voto offert par les survivants. Et on sent très bien le poids d'humanité aussi qui est issu en quelque sorte de maquettes de ce type. La seconde maquette d'un contre-torpilleur, c'est le Terrible. Alors le Terrible, c'est une classe de contre-torpilleurs qui ont été construits de 1932 à 1936 à Caen. Et c'était à l'époque les navires les plus rapides du monde, les navires militaires les plus rapides du monde, en tout cas dans la catégorie torpilleurs et contre-torpilleurs. Il a survécu à Merzel-Kébir. Il a réussi à s'échapper. Et ensuite, après, il a rallié la France libre et il a participé à la libération de la Corse. Et il a fait la guerre de corsaires dans l'Adriatique, en coulant des bateaux allemands. Et donc, vous voyez, c'était un type de bateau tout à fait exceptionnel à l'époque. Il n'a été déclassé qu'en... Il n'a été désarmé qu'en 1962. Et donc là aussi, vous voyez, nous avons toute une histoire, en quelque sorte, à travers la maquette de ce contre-torpilleur. Et puis nous avons aussi la maquette d'un chalutier, l'Aigrette 4, qui est un crevettier en réalité, mais je n'ai pas pu trouver d'informations sur lui. Alors ensuite, après, nous avons des bouées et nous avons le fameux tonnelet. Alors, les bouées racontent aussi toute une histoire, hein. La première bouée vient de l'Albatros. Elle a sauvé la vie à Gabriel Lesfori, qui était sur un bateau et qui en fut l'unique survivant. Le naufrage a eu lieu dans les passes d'Arcachon le 28 décembre 1891. Et donc Repsomen, en 1923, avait retrouvé l'histoire de ce naufrage, et que je ne voulais pas, mais qui est réellement assez tragique. Oui. L'équipage, il y avait 12 membres dans l'équipage, et un seul a survécu, qui est donc Gabriel Lesfori, et il a donc offert la bouée à laquelle il s'était accroché et qui avait permis son salut. Elle est dans la basilique des Marins toujours aujourd'hui. Le deuxième bouée est marqué Naufrage du Héron, 25 janvier 1902, et elle a été déposée par Charles Le Goff, qui a été rescapé du naufrage. Repsomen avait fait une enquête sur laquelle on peut se fier, et il a été le seul survivant des 12 hommes qui composaient l'équipage du Héron. Alors, pour une raison que nous ignorons, nous avons une deuxième bouée au nom de Le Goff. Voilà, deux bouées au nom du même personnage. Alors, je ne pense pas qu'il ait fait deux fois naufrage, mais je renonce à expliquer la présence de ces deux bouées. Et puis, alors, nous avons le fameux tonnelet que vous avez vu tout à l'heure, le tonnelet d'Haussmann de la Borde. J'ai failli l'amener. Mais en fait, je me suis dit quand même que les ex-votos de la chapelle des Marins devaient rester normalement et pieusement dans la chapelle. Donc je ne l'ai pas amené, vous irez le voir un jour dans la chapelle, quand les grilles seront ouvertes. Et sur le tonnelet, il est marqué ceci. Vœux d'Haussmann la Borde, en mémoire du péril auquel il a échappé dans le golfe du Mexique, le 2 février 1842.
Il a lutté 6 heures contre les flots. Ce baril lui a servi de sauvetage. C'est magnifique. Vous voyez l'histoire de cet homme accroché à un baril. Il a gardé le baril jusqu'à Arcachon et il l'a offert donc, à la chapelle des marins en souvenir. Alors ensuite, après ça, nous avons les plaques et les cœurs. On vous a montré des plaques normandes. Les plaques ex voto sont nombreuses dans la chapelle des marins d'Arcachon. J'en ai compté 440. Alors, je ne garantis pas une unité près, j'ai pu me tromper. Elles vont de la fin du 19e siècle à 1994. Donc les dernières sont assez récentes. Il y en a même de plus récentes, mais non datées. Alors, il y a eu des pertes. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de l'incendie, sur le mur de gauche en entrant dans la chapelle, il y avait des plaques. On voit très bien leur emplacement sur le mur. Et ces plaques ont été arrachées pendant les travaux et puis ont disparu, elles n'ont pas été remises. Nous ne les avons pas retrouvées. Nous ne savons pas très bien ce qu'elles sont devenues. Il y a des légendes en cours, mais ça peut n'être que des légendes, donc je ne m'y attache pas. Les ex-voto sont liés souvent à des... Alors oui, voilà, donc ça c'est le tonnelet d'Osmer-Laborde. Et alors, les plaques sont souvent liées à des protections et à des guérisons. Par exemple, j'en cite quelques-unes... Reconnaissance à Notre-Dame d'Arcachon pour la guérison de mon frère Jacques, c'est pas que des plaques de marins. Voyez. Ce qu'on remarque aussi, en effet, dans la chapelle des marins d'Arcachon, c'est que la dévotion à la Vierge a largement dépassé le monde des marins. On vous a dit ce matin qu'à la suite d'une brouille entre la confrérie des marins, enfin plutôt la Société de Secours Mutuel des marins, et l'abbé Mouls, premier curé de la basilique d'Arcachon, les marins avaient déplacé en quelque sorte leur dévotion vers l'église Saint-Ferdinand qui se trouve juste à côté du port. Donc il y a eu un glissement de ce côté. Il y a des exceptions en réalité. De temps en temps, les marins reviennent. On vous a dit ça aussi. Ce qui fait que la chapelle des marins d'Arcachon est devenue un lieu qui a accueilli des ex-votos, pas seulement des marins, mais de toute la population d'Arcachon et en particulier des gens de la ville d'Hiver. Vous savez que la ville d'Hiver a été fondée au départ comme une ville de santé. À un moment donné, il y avait plus de 100 familles dans la ville d'Hiver qui avaient un tuberculeux dans la famille. Donc du coup, on avait de quoi offrir des plaques ex-voto quand la situation s'améliorait. Alors donc, voyez, reconnaissance à Notre-Dame d'Arcachon, je vous confie mon fils, protégez-le, merci de nous protéger. Souvenir reconnaissant, tempête du 21 mai 1892, hommage pour ma guérison, merci pour la guérison de mes deux fils. On sent quand même qu'on est derrière aussi, à proximité d'une ville de santé. Hein. Les événements militaires ont laissé également leur marque dans les plaques, ça ne vous surprendra pas. Par exemple, pour la Grande Guerre, ils sont tous deux revenus. Oui. Reconnaissance, 30 mai 1918, 18 mai 1917. Mais les plaques ex-voto liées à la guerre de 40 sont plus nombreuses. Le reconnaissance 39-40, merci juin 40, reconnaissance 7 juin 40, il est revenu 41, merci 44, reconnaissance mars 45, etc., etc. Et puis il y a les cœurs métalliques dont on vous a aussi entretenu ce matin, il y en a environ 80. Donc comme je vous le disais, la plupart sont dans la chapelle des marins. Mais voilà, donc là on les voit, voyez, dans la chapelle des marins, mais quand on n'est pas dans le cœur, on ne les voit pas. Et puis nous en avons gardé en réserve, si vous me permettez de dire ça, parce qu'on n'a pas le lieu pour le moment pour les accrocher, dans les réserves de la sacristie. Un ex-voto qui est très étonnant, c'est l'ex-voto de la Vierge de Chestokova, qui était dans la sacristie, il avait été placé dans la chapelle des marins, il était dans la sacristie, il avait été déplacé dans la sacristie où personne ne le voyait, et nous l'avons remis à l'occasion du tricentenaire dans la chapelle des marins. Alors, c'est un ex-voto qui représente donc la Vierge de Chestokova, protégée par une plaque d'argent, comme l'authentique, et protégée comme les icônes orthodoxes en général sont protégées par une plaque d'argent. Il a été donné par la princesse Marianne Suzanne Czartoryska de Karamanchiné. C'était la petite fille de Teresa Cabarrus. Tous les Bordelais connaissent Teresa Cabarrus, Notre-Dame de la Révolution, qui a été célèbre pendant la Terreur et qui était devenue princesse de Chimay. Elle avait fait une belle carrière. L'icône a été placée pour sa fille Rosalie. Et le texte est le suivant. En témoignage de reconnaissance, confiance et éternelle espérance pour la guérison de sa fille Rosalie, Suzanne, princesse Czartoryska. Alors,
Et la petite, malheureusement, enfin la petite, qui à l'époque n'était pas si petite que ça, est morte malheureusement avant sa mère. C'est un ex-voto qui est rare, hein, et qui rappelle la présence d'une importante colonie polonaise à Arcachon, à une période où la Pologne comme nation était dissoute et où la France était la terre d'accueil des exilés polonais. Donc nous totalisons à peu près 540 ex-voto, voyez, d'origine très diverse et de formes très diverses dans la chapelle des Marins, qui n'est pas seulement la chapelle des Marins, mais qui est vraiment la chapelle de tout le bassin d'Arcachon, et qui a été la chapelle votive de toute la colonie aussi, à la fois du peuple arcachonnais, et de toute la colonie qui s'était installée dans la ville d'Hiver pendant une longue période. Alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est de faire une réflexion sur la spiritualité populaire à partir de la chapelle des Marins d'Arcachon, réflexion que nous pourrions faire en analysant en détail le rétable dont on vous a parlé ce matin, qui est intéressant d'un point de vue, purement théologique. Et on a donc, à un moment donné, vous savez que pendant les années 60-70, la dévotion populaire a été, je le disais tout à l'heure, je le rappelle, considérée comme une sorte de paganisme dont il fallait affranchir les catholiques, d'où la destruction d'énormément d'objets de dévotion populaire. Et le diocèse de Bordeaux, malheureusement, n'en a pas été exempt. Par exemple, tout le vestiaire de la basilique Saint-Michel de Bordeaux a été brûlé sur la place. Sans commentaire. Enfin, on pourrait en faire. Voilà. Donc, en fait, la situation s'est améliorée peu à peu, en tout cas chez les chercheurs, quand Serge Bonnet, dominicain bien connu, a fait un livre merveilleux qui s'appelle « Sur les prières secrètes des Français d'aujourd'hui ». Il a, pendant un été, fait le tour d'un certain nombre de sanctuaires et il a photographié des milliers d'intentions de prière, en particulier dans les cahiers. Les cahiers de dévotion contiennent énormément d'intentions de prière. Moi, par exemple, j'habite à Cazaux. Eh bien, dans la petite église de Cazaux, il y a un cahier d'intentions qui est extrêmement bouleversant. Vous voyez, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui crée une intention dans le cahier d'intention. C'est très populaire et c'est très touchant. Et donc, la spiritualité populaire, on a repris en quelque sorte de plus en plus conscience de l'importance de la spiritualité populaire. Et une étude de la chapelle des Marins d'Arcachon nous dit quoi? Alors, d'abord, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un lieu d'une grande humanité. Je le disais tout à l'heure, chacune de ces plaques, chacun de ces bateaux, le témoignage, l'indice d'une aventure humaine quelquefois dramatique et quelquefois au contraire souriante, dans la mesure où il y a aussi beaucoup de remerciements, une majorité de remerciements. Ensuite, après, quelle est la manière dont le peuple arcachonnais, vu sous un angle très très large, se reliait à Dieu? Alors, on n'est pas du tout là dans une situation de tribunal. On est dans une situation de lien et de secours. Voyez, on demande à Dieu son secours. Donc ça veut dire que si on demande à Dieu son secours, c'est qu'on a confiance. Donc il y a derrière une part de confiance. On n'est pas du tout, dans une situation... un très très bon exemple littéraire, c'est la présentation de la Vierge, de la Bosse à Notre-Dame de Chartres par Peggy. Voyez, et qui est un très bon théologien à sa manière, hein. Et la présentation de la Vierge de la Bosse à Notre-Dame de Chartres exprime très bien ce que nous ne savons pas si bien exprimer, c'est-à-dire la piété des humbles, la confiance des humbles dans la présence de Dieu. On pourrait adapter les paroles de Charles Péguy tout à fait à la chapelle des Marins d'Arcachon. Péguy qui, puisque nous l'avons dit ce matin, je le répète, nommait la Vierge Marie l'étoile de la mer. Je vous remercie.